Le vendredi 18 janvier 2018, Cyril Hanouna présentait un tout nouveau numéro de TPMP, la grande régalade sur C8 où il n'hésite pas à surprendre ses chroniqueurs. Alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout, Francesca Antoniotti a reçu un très beau cadeau en fin d'émission. Le nouvel protégé de Baba s'est retrouvé face à un message de son adorable fils, Enzo, aujourd'hui âgé de 16 ans. Le jeune adolescent a ensuite fait une apparition remarquée sur le plateau avant de rejoindre sa maman émue aux larmes. Mais, ce n'était pas tout, Cyril Hanouna réservait une autre surprise à la belle brune de 37 ans. Time, il a ensuite annoncé à sa chroniqueuse N'en touche pas à mon poste que son ex-mari, l'ex-footballeur international Alain Mazudi, était actuellement en FaceTime pour lui adresser quelques mots. Voilà plus de 10 ans que Francesca Antoniotti n'avait pas eu de nouvelles du père de son fils. Enzo me manque, il grandit sans moi. Je suis en Israël, il me manque, je vais revenir bientôt, a-t-il lancé. Je fais les papiers, c'est un peu compliqué mais je ne vais pas abandonner. Francesca me manque. Je ne sais pas quoi dire mais ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Time, regrettant ses erreurs, Alain Mazudi s'est excusé en direct, j'aimerais bien qu'elle me pardonne. On est des hommes, on fait des erreurs mais j'aime mon fils, j'ai toujours aimé mon fils. Tu es le seul garçon que j'aime vraiment dans le monde. De son côté, Francesco Antoniotti s'est exprimé avec grande émotion. Ce que je voulais te dire c'est que je souhaite qu'on renoue la relation parce que c'est important qu'Enzo ait son papa. Je sais qu'il a énormément de respect pour lui, a-t-elle avoué. Puis, elle a conclu, on fait des erreurs mais tout doit se pardonner parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Il ne faut pas rester avec de la rancœur.